Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite un bon retour sur la deuxième campagne d'Hammerwatch en compagnie du sublime Pierrot. Salut Pierrot. Salut Seb, salut à tous. Alors, la dernière fois on s'est arrêté ici, alors nous on était remonté pour voir ce qu'on pouvait acheter de plus. Hein. Perso j'ai rien acheté, je sais plus si t'as acheté quelque chose toi. Un peu de vie. Un peu de vie? Ok. Ouais. Alors, tant qu'on est ici, boum. Miloir, hop, il faut qu'on passe de l'autre côté. Ah oui, il faut qu'on mette. Alors là, faut qu'on fasse attention, ça risque de s'ouvrir. Il y a un interrupteur là sur le. Pas bien si ça s'ouvre. Bah, il y a la tourelle, c'est ça que je dis de faire attention. Ah, ma copine la tourelle. Ma grande copine. Ah, viens, viens là, viens, viens là, en attendant. Merde, au-dessus, au-dessus, au-dessus. On peut pas passer en dessous, c'est bizarre ça. C'est quoi? Banzai. Ah, moi plus Banzai moi. Ah! T'as appuyé sur interrupteur. Oui. J'aurais peut-être pas lu. Effectivement, je pense aussi. Ouais. Ah voilà, bah voilà, plus de Pyro. Il y a bientôt plus de Ticep non plus. Sauf si j'arrive à dégeler. C'est bon, j'ai eu le toile du bas. Merde, c'est plein d'étarchés ça. Ah! Attends, je vais arriver à te la poutrer la tourelle parce que. Ouais, parce que moi elle me fait. Surtout que tu m'envoies. Du coup, tu m'envoies. Ah mince! Je suis à côté là. Oui. J'ai le poteau qui m'empêche de l'avoir. Alors. De là où je suis, tu l'aurais facilement, je pense. Ouais, ouais, mais faut que j'arrive à faire le tour. Vas-y, je vais prendre ces tirs. Non, non, mais faut que je fasse le tour, je peux pas passer par le laser, parce que sinon, je vais me faire tuer. Ah, j'ai pris ma popo, parce que là, je me suis fait arracher. Allez, meurs-toi. Voilà. Voilà, c'est ouvert. Je peux venir. Elle est précise, hein. Ça, quand elle fait le tir direct, ouais, elle est. Et puis il est rapide en plus, c'est ça le truc. T'es-tu? Oui, je sais, je vois. C'est en hauteur que l'écran est. Il y a moins de vue. Merde, putain, tant qu'on était de l'autre côté, on aurait pu passer prendre les. Et merde. Hein? Mais j'ai essayé de descendre, mais j'avais pas assez pour résister rien qu'au premier tir. Du coup, je suis mort. Du coup, tu es. Non, pas par là. Je retourne dans la salle du milieu. Par ici. Alors, faut qu'on s'amuse à bouger les interrupteurs pour ouvrir les salles. Et le truc, c'est que les interrupteurs, t'en as deux ici, mais t'en as deux en dessous. Ah! Donc reste ici. Remarque, attends. On est bête.
une potion et une vie cette fois. Tu peux prendre la potion, j'ai pas encore utilisé la mienne. Je pense que je vais la prendre tout de suite en fait. Je pourrais toujours en racheter une autre après. Reste vers les interrupteurs. Ok. On va... Hop. Essayer de les bouger. Alors, ils sont penchés comment tes interrupteurs? Tous les deux vers la gauche. Ok, attends, bouge pas. Ça a fait quelque chose vers toi? Pas l'impression. Non. La, c'est surtout la salle, ouais, la salle qui est là, là. Non, bon, ok. Celui-là. Non plus. Ok. Ils sont tous les deux vers la gauche, tu dis? Oui. Bah, mets-en à droite. C'est fait. Mets l'autre à droite. C'est fait. Ça change rien. Ou alors on a zappé quelque chose. Mets celui de gauche vers la gauche et celui de droite vers la droite. Seconds complete. Ah oui, il y a de l'or. Oh, il y a plein d'or. Ouais, d'or. Mais le souci c'est qu'on peut pas le ramasser. Ouais. Ça t'a mis l'or au premier que t'as déplacé ou quand t'as eu fait les deux? Bah, le premier je m'étais planté, j'avais mis à gauche, du coup je l'ai repassé à droite. Et du coup j'ai celui de gauche à gauche, celui de droite à droite, et quand j'ai fait ça, ben, ça a fait couler l'or. Essaye de faire l'inverse. Ah non, on peut plus les toucher. Moi je peux plus les bouger. Ouais, moi non plus. Ah si, je crois que je sais. Et je me souviens d'un truc, et je pense que c'est ça. Il faut que l'on ressorte maintenant. Oh putain le con. Je regardais la carte, j'ai pas regardé le... Le laser? Non. La pierre qui m'est tombée, qui m'a écrasé. C'est pas grave, viens. On va ressortir. De toute façon ici, il devrait rien avoir. Non, on a tout fouillé donc normalement. Pareil ici. Ah, c'est bien ce que je semble, ici il me semblait. Ta-ta-ta-da. Ça a l'air encourageant. Oui, c'est le boss final. Ah bon? Ah. C'est lui le copain? Ouais. Tu vois, viens vers moi là, tu vois le petit trou sur le côté? Et ben en fait il va dans une salle. Et du coup, faut poutrer le boss jusqu'à ce qu'on puisse aller dans chaque trou. Donc en gros, le but c'est pas de battre le boss là, mais juste d'ouvrir les le passage. Ça vient à dire c'est tiens, moi je suis en train de le poutrer. Technique énorme. Faites gaffe à la tourelle. Je sers d'abord en fait. Ouais, viens sur le trou. Viens en haut à gauche, en haut à gauche, en haut à gauche. Pourquoi on peut pas ramasser les trois ors qui restent? Mais parce qu'il y a d'autres trous. Comment ça il y a d'autres trous? Là on en a fait un. Et en fait il va falloir qu'on retourne au boss, qu'on continue à le
à lui taper dessus et quand qu'on ouvre d'autres passages. Non, ça devait pas être par là. Ça va du coup avec la petite stratégie là, qu'on a mis au point sans le vouloir. Hein, faut avouer. C'était franchement fait sur le moment et ça a bien fonctionné. Attends. Je suis à 5500, je peux prendre le dégât 5. Bah, je pense que je peux prendre quelque chose aussi. Eh hey, bah non. Avec 3400. Ouais, mais t'as racheté toi encore la dernière fois un petit peu. Ouais. C'est pour ça que t'as moins que moi. Mais t'inquiète pas, on va faire les autres salles. Ça va le faire. Du coup, tu vois les marchands, il y en a deux qui sont à 5, 1 à 3, 1 à 1. À 1. Ça veut dire que tu peux pas les avoir tous au maximum, faut que tu fasses un choix. Ouais. Bon, bah, on y retourne. Mais regarde, il est en train de se régène. Oh l'enfoiré. Allez, c'est parti. Ouais, mais ça va pas tout à fait pareil parce qu'il y a les petits mobs aussi là. Ah, ça marche pas sur les boss, ça serait trop facile. Ah, c'est ouf. J'ai pris une boule, mais ça m'a rien fait. Presque. C'est bon, on y est. Poutre les petits. Alors, 22 HP, 21, 20. Je suis mort. Juste au bon moment. Ouais. Eh, j'arrive. Tu vois un tas de pièces là où je suis? Non, mais moi le coup précédent, pareil, je voyais un tas de pièces. Hop, non, reviens, remonte. Et attends, Ouais, mais attends, je vais aller voir le tas de pièces précédent. Voir si je peux les récupérer ce coup-ci. Ou si elles y sont plus. Merde. Ah bah, allez hop. Tu les vois toujours? Je sais pas. Non. Ah, tu vois, c'est un bug graphique. Elles sont restées alors qu'on les a prises, il y en avait tellement que... Ah, c'est toi les flèches. Je disais, d'où il y a encore des ennemis là? C'est quoi le délire? Aurais-je raté un épisode? C'est ça. Par là où il n'y a pas le laser, ça sera plus simple. Toi, t'es allé trop loin, reviens à gauche. Je reviens à gauche? Ah ouais. Cette fois, t'as 5600, peut-être que tu peux acheter un truc. Ouais, dommage 5. Je vais prendre ça, juste pour le plaisir. Et tu fais combien par flèche de dégâts? Je sais pas, sur les petits mobs là je faisais 60. Ah ouais. Ouais, il s'est pas régène cette fois. Il a pas eu le temps. On est pas parti assez loin. On est pas parti assez loin.
Là, je fais 50 sur lui. Enfin, entre 45 et... Tu peux tuer les petits mobs, ils vont plus repop après. Ah, mais t'es mort? Oui. Allez, soyons ouf. Alors, la dernière sortie, elle est là-bas en bas. Pff, on a repris 5 vies. C'est le boss que tu as par quart de vie. Viens en bas là. Cette fois-ci. Tu l'as vu l'esquive. J'ai fait la même juste avant. Alors il y a combien là? 2800, toi t'as 4000. Je sais pas trop. J'ai plus de la vie, allez hop. Ça ira bien. Fais voir ce que l'autre elle vend là. Ah, merci. Poisson. Ah ouais, tu peux prendre une grosse potion si tu veux, elle coûte que 239, la réjuvénation potion. T'as pris laquelle? Ah merde, oh putain, j'ai pas pris la bonne. C'est quoi que t'as pris? Potion de dommage. C'est encore autre chose. Allez! Je sais plus comment il s'appelle lui, mais on va le poutrer. Allez hop! Oh! Putain, ces boules de feu, elles se baladent loin, hein. Puis elles reviennent en plus. Ah voilà! Et vive la potion! Prends ta potion de damage et poutre-le autant que tu peux. Hein. Juste qu'il lui reste de vie. Ouais, c'est pas faux. Tu l'as achevé direct. 160 par coup de dague, ouais. Parce que ça faisait 80. En gros, ça mettait 2,80 par seconde, quoi. 34. Je crois que c'est tout. Ouais. On peut repartir. Bon, bah ça y est, on a fini le jeu, c'est ça? Ouais, je crois bien. On a y redonné la... Congratulations. À boule les thunes. C'est pas lui qu'il faut parler. Oh. Des thunes, ils nous ont rien donné, là. Je veux le poisson, je veux le steak, je veux de la bouffe. Ben, de la bouffe, je l'ai... Comment dire? Tu l'as becté? Ouais, je l'ai becté avant de rentrer tout à l'heure. Hein, j'étais. Ah! Vous avez tué machin, le temple est libre encore une fois, nous sommes très reconnaissants. Que le futur vous amène de nouvelles aventures excitantes. Et voilà! Eh bien, j'espère que ce final sur la seconde campagne d'Hammerwatch vous aura plu. Hein. C'est plus court, vous aurez remarqué, mais bon. C'était une campagne DLC gratuite qui a été rajoutée après que le jeu soit sorti. Hein. C'est sur le gratuit, et qui pourtant est très sympa, avec une difficulté un peu plus haute que la première. N'est-ce pas, Pierrot? Léger, ouais. Voilà. Donc, et encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, à me suivre sur Twitter et Facebook, les liens sont juste en dessous dans la description. Et nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau Let's Play. Allez, salut tout le monde! Salut! Hey, watch out!